Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Stiletto X. Le Stiletto, c'est avant tout un appareil auditif qui ne ressemble à aucun autre. Il s'intègre parfaitement dans l'univers des oreillettes connectées, ce qui le rend attrayant et déstigmatisant. Et nous allons commencer tout d'abord par son design qui évolue par rapport à la version précédente, le Stiletto Connect NX. La courbure est légèrement redessinée pour mieux se positionner sur l'oreille. Son design fin et élancé, unique sur le marché, est un réel atout pour les porteurs de lunettes et également aujourd'hui pour les porteurs de masques de protection car il offre un meilleur maintien comparé à une aide auditive classique et donc moins de risques de perte. Côté couleurs, en plus des couleurs déjà existantes avec le Stiletto Connect NX, c'est-à-dire le noir argent, le blanc neige rose doré, le bleu cosmique rose doré, deux nouvelles couleurs viennent s'ajouter le blanc intégral et le noir intégral. Évolution majeure sur le Stiletto X, l'écouteur est désormais détachable, ce qui permet d'utiliser des écouteurs de puissance S, M ou P, ainsi que les longueurs de fil 1 à 4. Et grâce à cette évolution, le Stiletto X peut être adapté sur une patientèle bien plus large, de la perte auditive légère avec un écouteur S à la perte auditive sévère avec un écouteur P. Les adaptations peuvent bien sûr se faire en dôme, mais également en embout sur mesure, à condition de rester sur un modèle canule sans épaulement pour que l'embout rentre dans l'écran de charge. Cet écran justement a été entièrement repensé, son ouverture est facilitée et sa charnière a été renforcée. Les LED de charge des appareils sont maintenant visibles lorsque le chargeur est fermé, ce qui est pratique. Nouveauté importante, l'écran de charge intègre la technologie de recharge par induction QI, ce qui évite la manipulation du cordon d'alimentation. Nous retrouvons bien sûr le Bluetooth Low Energy pour se connecter au système télé ou au smartphone, et ceci sans compromis sur les performances audiologiques, puisque la communication interorale, le HeatWee, est conservée, ce qui nous permet d'utiliser notamment une directivité puissante si nécessaire, ainsi que le OVP pour une meilleure acceptation de la propre voix. Et nous finirons par une étude réalisée sur un échantillon de 500 000 personnes, non appareillées mais présentant une perte auditive. Dans un premier temps, un essai d'appareillage leur a été proposé en RIC ou en contour d'oreille classique et dans ce cas, 76% des participants ont choisi de s'appareiller. Majoritairement en RIC, bien sûr, mais donc 24% n'a pas souhaité s'appareiller tout de suite. Maintenant, si sur le même échantillon, on rajoute le Stiletto dans l'offre produit, eh bien on voit que 90% acceptent de se faire appareiller immédiatement. En conclusion, on voit que le Stiletto permet de franchir plus facilement le cadre de l'appareillage, qui est parfois difficile. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe Signia, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.